Voilà, on va encore faire une petite présentation d'un petit jeu, le Normand. Donc, voici. C'est un jeu allemand de Judith Bartschy. Moi, je ne sais pas prononcer l'allemand. Donc, je l'ai reçu comme ça dans une petite boîte en carton, tout à fait normal. Donc, il s'abaisse un petit peu pour qu'on puisse mieux prendre le jeu. Il n'y a pas de livret. Donc, il y a simplement la carte de présentation. Et il y a trois cartes avec des explications. Donc, ce sont des mots-clés pour les cartes. Mais voilà, bon, pour le Normand, une fois, on sait bien qu'il faut savoir tout par cœur, et une fois qu'on sait tout par cœur, on sait faire des tirages. Donc voici, je voulais vous présenter les cartes comme elles étaient dessinées. Donc voici toujours le dos. Le dos des cartes, je trouve qu'il est joli. Et alors, voici le cavalier. Il y a des petites peintures. Petite aquarelle, le trèfle, le vaisseau, la maison, l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet. La faux, le fouet, la verge, les oiseaux, l'enfant. Le renard, l'ours, l'ours polaire, l'étoile, la cigogne, le chien. La tour, le jardin, le mont, le chemin, il y a un choix là, la souris. Le cœur, l'anneau, on peut confondre avec la lune, on peut confondre avec, on dirait plutôt une éclipse qu'un anneau, mais bon. Le livre, la lettre. Le monsieur, la dame,
voyez, c'est aussi, on pourrait aussi les confondre, c'est parce que je les connais, mais voilà, on pourrait confondre avec le soleil et la lune. Donc, pour le normand, je trouve que ça ne va pas. On doit pouvoir tout de suite dire si c'est le soleil, la lune, la dame, le monsieur. On doit pouvoir tout de suite le dire. Ici, à débutant, voilà, il ne saurait pas le dire. Le lys. Si vous me prenez voilà, le soleil, par exemple, ici, ben, on ne sait pas très bien. Le soleil, voilà, la lune. Voilà, ça j'aime pas trop. J'aime mieux quand c'est plus précis. On ne devrait pas pouvoir se poser la question. Enfin, on ne doit pas prendre le temps de réfléchir pour reconnaître la carte, en fait. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Ça aussi, il faut savoir que c'est la croix parce qu'elle ressemble plus à un volant de voiture à la base. Et puis on regarde mieux, on se dit ben, c'est une pierre tombale. C'est une pierre tombale finalement. Avec bon, on dirait plutôt un volant de voiture pour moi. Voilà. Donc voilà, j'accroche pas trop avec ce jeu-là. Je trouve que bon voilà, j'aime bien parce que comme j'aime les Lenormand, j'aime bien d'en avoir beaucoup, d'en avoir un max, mais celui-là, voilà, il restera dans sa boîte à mon avis. Ou peut-être pour un tirage peut-être de la semaine, les énergies de la semaine peut-être, mais non, je pense même pas. Je ne fais pas principe avec le Lenormand, donc. Donc voilà, c'était un autre petit jeu de Judith Barchi. Voilà, j'espère quand même que cette petite review vous aura plu. Et que, toujours quand même dire que, bon, on n'a pas tout négatif, le carton est quand même pas mal, la carte est quand même bien, bon, les cartes glissent, les cartes glissent bien. Donc voilà, tout n'est pas négatif, tout n'est pas négatif. C'est et puis bon, aussi il manque les, il n'y a pas les cartes de cartomancie non plus. Donc moi je m'en sers. Donc voilà, salut, salut.